Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie Truc. Vous l'avez demandé, ben vous l'aurez. Je vais faire un épisode un peu sur ma nouvelle découpeuse vinyle, la Silhouette Cameo 3. Non, c'est pas un truc sponsorisé. Il y avait plein de questions, je vais essayer d'y répondre et je vais essayer de vous expliquer un petit peu le principe. La première chose à savoir, d'abord, une découpeuse vinyle, ça fait partie des 4 outils numérique, enfin à commande numérique essentielle d'un Fab Lab, qui sont une imprimante 3D, une découpeuse vinyle, une défonceuse à commande numérique et une découpeuse vinyle. La découpeuse vinyle, comme son nom, découpe du vinyle, mais elle peut faire aussi plein d'autres choses. J'ai eu pendant des années, et d'ailleurs la personne qui l'a gagnée l'a toujours pas réclamé, donc je la referai gagner, une version précédente et beaucoup plus petite, qui faisait du A4, qui s'appelait la Silhouette je sais pas trop quoi, que j'ai super utilisé, qui était vachement pratique, qui me permettait de faire des stickers, des masques pour la peinture, qui me permettait de faire un traceur, etc. etc. C'est une machine qui est super utile, et que moi, personnellement, j'adore. Celle-là, c'est la Silhouette Cameo 3, elle coûte à peu près 300 balles TTC. Elle arrive avec un espèce de couteau bizarre, mais on y reviendra un peu plus tard, le chargeur, le câble USB et un logiciel que vous pouvez télécharger qui est un peu pourri. Quelles sont les caractéristiques? Vous pouvez découper jusqu'à 30 cm, donc ça s'appelle ça une alaise de 30 cm. Il y a deux têtes où vous pouvez mettre deux outils, même si pour l'instant je sais en utiliser qu'une seule. Et ensuite, principalement, tout le reste c'est le matériau, comment vous l'utilisez et les réglages sur l'ordinateur. Qu'est-ce que vous pouvez mettre comme éléments pour couper, tracer, etc. La première chose, c'est ce qu'il fournit avec, c'est une lame qui est automatique, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça autoblade, donc avec une profondeur qui est variable, ça va de 0 à 10, on n'a aucune indication sur ce que ça veut dire. Vous pouvez aussi mettre, je me suis fait plaisir, j'ai acheté les petits stylos qui vont avec pour pouvoir tracer, et aussi vous avez des adaptateurs pour pouvoir mettre un feutre. Alors il y a d'autres types de lames que vous pouvez mettre. Moi pour l'instant je vais essayer d'utiliser celle-là et si j'ai besoin j'en achèterai d'autres. Alors à savoir que tous les petits accessoires à droite à gauche, c'est ça entre guillemets qui va vous coûter le plus cher. Ça, 15 balles. 4 stylos, 15 balles. Machin truc, 20 balles. Truc muche, 30 balles. Truc, 8 balles. Donc c'est plein de petits éléments qu'il vous faut et qui vont commencer à faire augmenter le budget au fur et à mesure. Donc elle peut découper jusqu'à 30 cm, vous pouvez régler la force, vous pouvez régler la vitesse, et ensuite, c'est relativement simple, vous avez un chariot qui fait en fait l'axe X, et vous avez un entraînement qui fait l'axe Y. C'est aussi simple que ça. La lame peut se tourner. Deuxième chose, quels sont les matériaux que vous pouvez découper ou tracer avec cette machine? Et là, il y a une variété de matériaux qui est assez importante. La première chose, c'est le vinyle. Le vinyle, il peut arriver en plusieurs épaisseurs, il peut arriver en plusieurs largeurs. Moi, j'ai pris 3 couleurs. Donc j'ai pris du blanc, du noir, du rouge. Ça arrive en rouleau de 10 mètres, que vous pouvez soit utiliser en rouleau, soit, comme moi ce que je fais pour des petites découpes, ce qui est plus pratique, je les découpe à peu près au format A4. Vous pouvez utiliser du papier, vous pouvez utiliser du carton, vous pouvez utiliser plein de choses à droite à gauche. Tout dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Et ensuite, il y a deux manières d'alimenter votre machine. La première, c'est d'utiliser directement le rouleau. Et la deuxième, c'est de passer par, je ne me souviens plus comment ils appellent ça, en gros, une espèce de feuille de plastique transparent qui colle légèrement et qui va vous permettre justement de pouvoir coller des morceaux de feuilles et de pouvoir les insérer dans votre machine. Ça, c'est du consommable. Il va falloir en racheter régulièrement si vous utilisez des petits morceaux ou comme moi, des feuilles au format pseudo A4 de vinyle. Quand vous avez découpé, vous allez passer à l'échenillage. Vous l'avez vu dans l'épisode précédent. Pour l'échenillage, mes deux outils principaux vont être le scalpel pour pouvoir faciliter la découpe si certains échenillages sont compliqués
Et moi, personnellement, j'utilise une pince à épiler qui est ultra fine, que j'utilise pour l'échenillage. Quand vous avez chenillé votre découpe, vous allez avoir envie de la poser. Et donc, pour pouvoir transférer et aller coller votre vinyle que vous venez juste de découper, vous allez utiliser soit du papier transfert. Ici, ils sont fournis en rouleau de 100 mètres par 30 cm, soit du scotch de transfert. Ça vous permet de coller temporairement votre découpe vinyle et ensuite d'aller la poser sur la surface que vous avez envie de la poser. Et pour la poser, j'utilise deux outils différents. J'utilise une raclette en plastique et une raclette en feutrine. Ça permet d'appuyer sur le vinyle pour qu'il colle correctement au papier de transfert et de faire en sorte que aussi bien votre décollage que vos collages se passent bien. C'est à peu près un overview de ce qu'on peut faire et des outils qu'on a besoin. Je ne suis pas un spécialiste de la découpe vinyle, il y a des gens dont c'est le boulot qui sûrement auront des informations plus intéressantes ou plus précises que moi, mais en tout cas moi c'est la connaissance que j'ai. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à faire des petits tests à droite à gauche, ça marche pas mal. Petite conclusion pour cette vidéo, vous m'avez vu faire ces jolis carnets avec les logos à la Grotte du Barbu, et vous avez vu, c'est relativement simple à faire. La machine se prend en main relativement bien, il y a juste quelques settings à mettre en place, mais c'est relativement simple. Et vous avez vu, je suis en phase d'expérimentation, donc j'ai fait des logos, encore des logos, en blanc, en noir, en rouge, des trucs, des fichiers Illustrator que j'avais qui traînaient, bien sûr des logos Star Wars, hein.
etc., etc. Il y a plusieurs choses à savoir. La première, il y a une limitation qui est la taille qui est capable de découper votre découpeuse vinyle. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, j'ai un logo ici, où là on voit bien le détail des engrenages. Dès que c'est un peu plus petit, bah c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur à avoir des détails précis. La deuxième chose, c'est le matériel et le prix. Même si la machine coûte 300 balles, en comptant le vinyle, le film de transport, etc., etc., j'en suis plus à un budget de 500 balles. Donc c'est un investissement que tout le monde n'est pas spécialement apte à faire. Donc si jamais vous n'avez pas 500 balles à mettre, et 500 balles c'est vraiment, on n'est pas du tout dans du matériel professionnel. Dans du matériel professionnel, je pense que le budget global est à partir de 1000 balles. Vous avez bien sûr plusieurs solutions. La première, c'est d'aller vers une découpeuse vinyle d'entrée de gamme pour pas pour les professionnels. Il y en a qui commencent à partir de 200 balles, qui sont plus petites, avec moins de capacité. Et la deuxième solution, qui est la solution que je vous préconise, c'est bien sûr d'aller dans un Fab Lab, qui en général ont des découpeuses vinyles, voire même certains ont des découpeuses vinyles professionnelles, d'aller vous faire la main là-dessus, et si jamais vous voyez que c'est vraiment un domaine qui vous branche, d'ensuite aller investir. Je vous ai montré la capacité principale, qui est la capacité de découper le vinyle. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire avec une découpeuse vinyle, et dans les prochains mois, je vous ferai des petites vidéos comme ça à droite à gauche, sur justement mes hacks entre guillemets de la découpeuse vinyle pour faire autre chose que de découper du vinyle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été instructive et qu'elle aura permis de préciser un petit peu à quoi sert cette machine et quelles sont les possibilités et qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment ça se passe. Tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes. Tu peux aussi aller cliquer sur le lien YouTube qui est dans la description, aller regarder une petite publicité, ce qui nous rapportera un petit peu de pognon et ce qui nous permettra de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode de Barbie Truc spécial découpe vinyle. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.